T'as l'info ou pas du tout? Mike Up Tower, escadrille Whisky, un Mirage 2000 et un FA-18 sur Taxi Apron 1 proche de la sortie Alpha, demande un roulage pour la Runway 04. Whisky pour Kaplan 1-1, confirmé transpondeur 3-2-0, rappelé pour roulage. Whisky for 1, donc c'est pour un roulage piste 04, vous pouvez rouler pour point d'arrêt Alpha via Victor et me rappeler quand vous êtes prêt pour alignement en formation. Escadrille Whisky, on roule jusqu'à point d'arrêt Alpha et on vous rappelle pour décollage formation. Whisky for 1, vous pouvez vous aligner piste 04 et m'indiquer quand prêt, take off formation. Whisky for 1, on s'aligne piste 04 et on rappelle quand prêt, take off pour formation. On fera une sortie écho sur la. On a un contact proche 30 minutes. Ouais, fini. Est. Ouais. On fera quand même un départ normal, puis après on ira. On fera sûrement un fencing assez rapidement. Je pars devant toi? Vas-y, pars devant moi, faut que tu pars devant, je te rattrape sinon. Whisky for 1 prêt pour take off, rappel pour QFE s'il vous plaît. Alors, je préfère parler en QNH 2938. Pardon, excusez-moi, QNH bruit 2938. Attends, je suis obligé de le prendre en Y alors. Ça sera un décollage, je vous invite à partir sur. On a deux contacts. Attention, on a deux contacts, stand-by le décollage. J'espère qu'on va pas se faire un code. On approche 20 nautiques, ils sont en approche rapide, French. Faut qu'on. Toujours en stand-by, on attend un petit peu que Sam fasse le travail. Bah, je suis en attente, la tour de contrôle. Tower, toujours. Alors, soit vous faites un décollage au Whisky for 2, vous basculez vers November gauche pour faire un circle et arriver face aux ennemis, mais ils sont à moins de 20 nautiques de Mike Up à l'est. Whisky for 1, on a TAF et Datalink sur F18, on peut s'en occuper directement après décollage si vous nous autorisez à prendre un virage de série. Go okay. Take off, virage serré gauche, et vous engagez directement les gars. Go take off, virage serré droit plutôt. Actuellement, ils sont un peu endormis, sur la. Vas-y. Ok, copie pour Whisky for One, départ format avec virage serré droit sur Bandit 15 nautiques. T'as pris droit ou gauche en fonction droit, vous allez vraiment être à 10 nautiques, hein, faites gaffe. Ils sont actuellement à une altitude de 3000 pieds. On passe fencing instant, hein. Ouais. Serré droite, hein. Ah, j'ai oublié de mettre. Tab. Exactement, je vous donne des informations. Ils sont en flanking vers le sud. Toujours à une altitude plutôt de 1360 feet. Ok, j'ai lock sur Bandit, ils sont bas, ouais. T'as le premier. Whisky for One, lock sur Bandit, effectivement, on passe sur la 2-0. Départ. Ah non, c'est. Départ bon. Si, ouais, si, départ. Je défends sur toi le départ. Sur moi le départ, je confirme. Je suis obligé de breaker. Vous pouvez vous aligner piste 04 et m'indiquer quand prêt, pensez-vous. Ça tire toujours, hein. J'ai notch. Murex. Vague Bandit. Faxou. Ok, je prends le second, je pars sur le second. Je crois qu'il y en a qui a été splash, je suis pas sûr. Aidez à moi, ça tire. Il y a eu un splash, il y a eu peut-être deux splash, je peux pas confirmer, il me faut une info. Je suis locké derrière dans mes 6. Je break. Je crois que c'était Patriot, je suis pas sûr. Ouais, c'est le Patriot. Il me faut une info sur le dernier. Il y a eu un splash. Le dernier. T'as 17 nautiques de moi. Et après Ok. Je suis Spike 31 dans mes 6. Spike 31 dans mes 6. Fox One. Départ pour moi, départ. Je défends. Ok, je recommit. Je suis nautique, c'est dangereux pour moi. Après Lock Buddy. Le Patriot il te défend. C'est bon, j'ai notch. Il est où le bandit? Fox One. Retire, 5 nautiques, je suis lancé 6. Et après? Ok, cap, pas de soucis. Vous pouvez rouler. Ok, ils sont là sur toi. Ça me tire dessus. J'ai pas eu. Ok, je break, il me faut de l'aide. Fox One, je retire. Flash via Victor, bravo. Good kill. Et me rappeler quand vous êtes au point d'arrêt, bravo. Je crois que c'est bon. QNH est de 29. Wouh. La piste est jaune. Ouh. Et les nuages sont à une altitude de 4500 pieds. Fais gaffe, tu
vraiment parce que j'étais aligné sur mon Fox One. J'ai eu peur que mon radar te récupère. Oh shit, j'étais pas bien. En fait, le truc, il t'a lâché quand j'ai tiré. Ouais, j'ai vu ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on monte 20 degrés, essaye de me récupérer. Ouais, je monte. Ah, j'ai plus que un Fox 2 en fait. Ok, j'ai plus la Hertz. Il a pris ? En 10 nautiques de moi. Ouais, je vois les deux. Ils plongent sur toi. Ils défendent. Je vais essayer de maxer. Je garde le lock. Ah, toujours un qui est hot sur moi. Ok, je descends. J'ai lock sur Bandit, mais je suis trop loin. Okay, 23 nautiques. Ils se dirigent sur toi. Et après ? Fox 1. Tiens-moi informé, hein, ce qui se passe, hein, j'ai les nuages, je vois pas grand-chose. Ouais, ils sont sous les nuages. J'engage les flares. Ok, j'ai strictement plus rien. J'en ai un qui se dirigeait vers toi, il est au basse altitude, il m'a perdu radar. Après ? Oh, Lock Bandit, 18 nautiques pour ma part. Ils sont en dessous de toi, Gluty, faut faire attention. Ouais, ils sont juste en dessous de moi, il y en a un qui est juste en dessous de moi quasiment. J'ai perdu le lock. Ok, je plonge sous la couche nuageuse. Oh ! Je suis loqué. Je break. Je plonge aussi. Je break en nord, enfin en est. Et maintenant en sud. J'ai pas de visuel sur du départ. J'ai juste du lock. Fox One. Bien pris. Je vais essayer de me réaxer. J'arrive en piqué par au-dessus de lui. Ok. Copie, ouais, j'ai visuel sur toi. Je suis en full PC Mac 1.4. Splash. Good kill. Le deuxième il est où? Ok, j'ai lock sur deuxième, j'ai l'impression. Affirmatif, lock bandit 13 nautiques. 12 nautiques. Il est ok, je récupère le second. T'as une info? Ouais, il est sur ma gauche. J'ai perdu dans les nuages. Bien pris. Je scanne, je cherche. J'ai un lock bandit, il est au-dessus. Non, c'est quoi ce que j'ai loqué? J'arrive pas à identifier ce que j'ai loqué. C'est pas moi. Si, j'ai loqué. Il est à 14 000 pieds. 14 000 pieds? Affi. Pourquoi j'ai mon IFF qui veut me renvoyer? Si, ok, j'ai compris. Ok, bandit, ça tire, non, ça flaire. J'engage les flaires, 4 nautiques. Il continue à flairer, flanking gauche, il va vers le nord. Oh, j'émerge. Ok. J'engage le gun, j'y vais au gun, j'essaye de garder mon Fox 2. Il est dans mes 6. Affirmatif, Mig 29. Je me suis craché, je vois rien dans les nuages. Après, sont super bas. Je submerge. Cédric Whisky, je submerge avec Mig 29, j'engage le gun. Pour l'instant, négatif. Il éjecte. Les deux moteurs sont en feu. Confirmé. Whiskey for one. Éjection pour Mig 29. Deux moteurs en feu. Il va s'écraser au sol. Il restait un Sukhoi qui est en approche. Non. Bien pris. 13 nautiques. Whiskey for one, je viens de perdre mon wingman et j'ai un Sukhoi en approche sur moi. Rapide, 11 nautiques. Et bah, tout très bien, je viens vous aider. Ok, copie, merci pour l'aide. Actuellement, j'ai plus qu'un Fox 2 restant, donc je me rapproche de lui, je vous tiens informé, mais vous pouvez l'engager si vous voulez. Tout, ce sera pas tout de suite, je me trouve actuellement à 80 nautiques de vous. C'est quoi ça? Lock Bandit. J'engage le. Ah, ils sont deux. Fox 2. Whiskey for one. Fox 2 sur Bandit. Ils sont deux en fait. Eh merde. J'engage le gun. Whiskey for one. Mon Fox 2 vient de. Pas toucher. Je suis au merge contre deux bandits au gun. Mig 31. Eh ben, tout, je vous conseille de prendre un cap 196. Ah, mais c'est compliqué là.
Donc je répète, cap 195 pour assistance. Whisky 4-1 négatif, je peux pas breaker le combat tournoyant sinon je vais mourir, ils vont me fausse. Eh bien, tout s'est bien pris du coup, je pars en pleine post-combustion. Bien pris. Je vous ai informé, s'il n'y a plus de communication de ma part, si vous demandez, c'est que je me suis fait splash. Attends, pas négatif, reste avec moi, mec. Hein. Fuck! Il m'emmène bas. Je vois que dalle. J'ai 25 obus. Je peux pas me permettre de louper les obus. Il va splash, splash, ok. Whisky 4-1, un splash confirmé. J'ai perdu le deuxième bandit. Il est sûrement dans mes 6 ou autres, je vous tiens informé. J'ai plus que 25 obus restants. Où est-ce qu'il est? De nautique, il est là-bas. Je me disais qu'il faisait des manœuvres dangereuses, le poteau. Hein. J'ai fait me prendre pareil le truc. Ok, on va pré-flair. J'ai plus de flair. C'est la merde. T'as les bandits. Combat tournoyant. Où est-ce qu'il faut? J'ai retrouvé le bandit, je suis en combat tournoyant. Un cercle avec lui. Ça va tout 38 nautiques, peut pas sauter. Ok, j'ai lock. J'ai 25 obus, j'ai largement l'avantage sur les performances de mon avion. Statut fuel 0.9, faut pas que je mette trop longtemps non plus. T'es touché. Éjection. Il éjecte. Je remonte. Attention au sol. Whisky 4-1, potentiel splash bandit. J'ai cru voir une éjection, mais il est passé dans les nuages. Je pense que c'est bon. Ouais, affirmatif. Le taf m'annonce qu'il est plus là. Okay. Whisky 4-1, je confirme potentiel splash bandit. Il est disparu du taf. Pas de confirmation visuelle, j'ai plus besoin d'assistance, je vais retourner sur MyCop, merci pour l'aide. Whisky 4-1, soutien psychologique. Ah grave. Et number 1, 2, on a deux pop-up là dessous commis. Whisky 4-1 sur la 2-5 unité, 2-5-4. Pour MyCop approche radar sur vous, vous pouvez prendre un cap 258 pour une approche longue, attention vous êtes number 2 pour atterrissage. Alors, je vous rappelle le QNH en 995 millibars, plus précisément 974 pardon, millibars, et la piste active 04. Vous descendre niveau 2600 pieds. Whisky 4-1, descend niveau 2600 pieds, on est deuxième pour atterrissage et on prend un cap 258 avec millibar en 275. On va faire une rentrée Sierra. Sierra. Il m'a dit combien 3500 ah, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Je suis à 15 nautiques, je suis encore. Je suis encore bien. Ballon 1-8, vous pouvez vous aligner pour piste 04.
annoncez-moi juste quand vous êtes en finale, le train sorti verrouillé. Oula. Bien reçu. On est un peu dans les nuages, les amis. Normalement, on devrait être bon. Whiskey for one, statut fuel 0.58. Ok, vous allez prendre donc un virage droite large pour arriver face à la piste dans, je dirais, 10 minutes. On va essayer d'encadrer tout ça. Toujours front 1-8 devant vous. Whiskey for one, virage large pour une longue et je suis deuxième toujours pour atterrissage. Je reste en dessous des nuages. On a pris Fallout 8, avancé qu'en piste dégagée. Whiskey 4-1, visuel sur Fallout 8, actuellement en longue piste 04, train sorti verrouillé. Whiskey 4-1, vous êtes autorisé pour l'atterrissage, la sortie se fait sur la droite, essayez de sortir en point Charlie. Whiskey 4-1, on est autorisé pour l'atterrissage, sortie point Charlie. Ok, c'est pas le niveau. Fou, ça m'a fait peur. J'ai cru que j'avais une panne au niveau de l'atterrissage. Make-up de frein 8, vitesse contrôlée. Et piste dégagée. Vous avez pris frein 8, attention, prochaine fois, même s'il n'y a pas d'AVAX, contactez quand même à 254 pour lancer vos approches. Merci. Et roulez parking via. Il y a Delta Victor pour la Green Zone. C'est quoi votre mise, votre intention, mise en route ou arrêt complet? Arrêt complet. Ok, c'est bien pris pour arrêt complet, bonne journée. Merci, bonne journée également. Et bien pris pour la Vox. On est bien. Touchdown, nickel. Et on va appliquer les fonds. Il m'a dit sortie Charlie, hein. Whiskey for one, vitesse contrôlée, arrivée sortie Charlie. Whiskey for one, bien pris, vous pouvez sortir Charlie pour aller vers Victor et Green Zone au centre de l'aéroport si vous le souhaitez. Whiskey for one, bien pris, je sors sortie Charlie et je vais vers Victor pour Green Zone.